Arrête, arrête ce que tu fais. Lâche ça. Je peux savoir qu'est-ce que tu fais. Je balaye, c'est sale. Bon, pourquoi? Pourquoi je ne balayerai pas? Bah parce que tu es enceinte. C'est évident, c'est ça. Mais je vais les laisser comme ça maintenant. Bah ouais. Bon, déjà, tu enlèves ça. Voilà. Ok. Enlève tout ça. Moi, je vais tout faire. Et je veux plus te voir ici, d'accord? Voilà. Je suis sérieux. Tu rentres et tu me laisses tout faire. Ok. Ouais. Tu es sérieux comme ça? Ouais, tu rentres, vas-y. Allez, rentre. Regarde, tu vois? Rentre. Myriam, tu rentres. J'arrive. Tu rentres. J'arrive, t'inquiète pas. Je pose ça, tu viens. Oh, laisse-moi, j'arrive. Hey, tu rentres, hein? Hey, tu fais quoi? Non, non. Lâche. Voilà. C'est moi qui fais tout ça. Sérieux, là? Vas-y, suis-moi. Allez, viens. Voilà, allez, viens. Vas-y, viens, viens. Okay. D'accord. Avance. Ligia, bonjour. Que puis-je faire pour vous? En fait, madame, je suis enceinte et c'est ma première grossesse. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'aimerais bien avoir des conseils de votre part. Alors, tout d'abord, sachez que le début d'une grossesse est source de joie et de stress. Quand bébé annonce son arrivée, les nausées et les fatigues, les consultations, les analyses, la préparation à l'accouchement et le travail. Beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de questions. Êtes-vous prête pour la grande aventure? Oui, bien sûr. Surtout que j'aurai un bébé avec l'homme de ma vie. C'est juste que là, il panique déjà plus que moi. Je sais pas, je le fatigue avec des envies subites et tout. Des envies pressantes, voilà. Il me pose beaucoup de questions concernant ma santé. Et comme je n'y connais pas grand-chose, du coup, j'ai eu recours à vous. Durant la grossesse, la future maman devient le centre d'attention de tous. Plusieurs semblent oublier que la perspective de devenir parent a également une incidence sur le futur papa. Pourtant, celui-ci éprouve très souvent les mêmes craintes et les mêmes inquiétudes que sa partenaire. Toutes les mères et tous les pères en devenir, peu importe leur situation, se sentent vulnérables et seuls par rapport à leur rôle de parent. Les pères en particulier sont moins portés à parler de leurs sentiments et à faire part de leurs inquiétudes à leurs partenaires ou à leurs amis. Oui, ça c'est vrai. Surtout que lui, il a du mal à montrer ses sentiments. Je fais comme si, voilà, ça m'énervait, mais j'aime trop quand il fait son gros dur. Hey, t'as pissé ça ou quoi? Oh, 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 tu fais quoi? Je débarrasse. Non, arrête, 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 c'est moi qui fais ça. Oh, d'accord. Repose-toi. Tu peux pas être enceinte après vouloir faire ça. Ça change plus pas. Ok. Comme la plupart des hommes, c'est tout à fait normal. Vous aurez fréquemment des envies alimentaires subites, souvent incontrôlées. Et disons que c'est la magie des choses. Ouais, on va dire magie et sorcellerie, oui. Et puis, je sais pas, j'aime pas les surprises du coup. À quoi je devrais m'attendre par rapport à ça? Sachez que la grossesse recèle bien des mystères, semaine par semaine. Surtout quand vous tombez enceinte pour la première fois. Et au fil des découvertes, les rendez-vous médicaux chez les gynécologues et les démarches s'enchaînent semaine après semaine. Résultat, en tant que future maman, on est parfois un peu déboussolé. Aussi, pendant la grossesse, certaines douleurs courantes peuvent survenir. Mal au dos, jambes lourdes, hémorroïdes. Attention à bien les traiter. D'accord. Là, vous m'en apprenez des choses. Hein. Je crois que dorénavant, je vais vous appeler tout le temps. Mais je vais devoir vous laisser là parce qu'il approche. Donc, à bientôt, je vous rappelle. Merci. D'accord, madame. N'hésitez surtout pas. Allez, vas-y. Elle est super bonne. Tu veux goûter? Ah, finalement, j'ai plus envie de soupe. Désolée. Ah, t'es sûre? Ouais. C'est super bon. En plus, j'ai mis tout mon amour dedans. Oh non, s'il te plaît. En plus, l'odeur me donne des nausées, s'il te plaît. Merci. J'ai mis tout mon amour dedans. Sinon, et Daddy Junior, il va bien?
Pourquoi pas Myriam Junior? Ah non, moi je t'ai dit, c'est un gars. Moi je suis certaine que c'est une fille. Ah non, c'est moi qui l'ai conçu, donc je t'ai dit, c'est un gars. Ah, ouais. Et ça se trouve dans le ventre de qui? Gros malin. Bon, je vais te dire un truc. Imagine que tu plantes une graine. Tu vois? Ok. L'arbre qui poussera, d'après toi, ça appartient à qui? Au planteur ou au sol? Ok, gros malin. Maintenant, est-ce que toi, tu as des droits même sur ce sol? Tu les as achetés avant ou bien? Bah, je l'ai piqué. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Un peu mal. Vas-y, assieds-toi, viens. Assieds-toi. Oh, oh, oh. Ça va? Vas-y, mets-toi bien. Ouais, ça va. Sûr? Ça va, maman? Tu vas bien? Ouais. Tu veux quoi? Dis-moi, je sais pas. Je veux des fraises. Hein? Des fraises. Des fraises? D'accord, tu restes là, tu bouges pas. Mets-toi bien. D'accord, hein? Des fraises, hein? D'accord, hein? Allô, Lydia?